Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce sac. Pour le confectionner, vous aurez besoin de morceaux de 32 cm sur 22, de bandes de 8 cm sur 32, de bandes de 12 cm sur 32, de bandes d'1,20 m sur 10 cm, de carrés de 15 cm de côté. Une bande de 5 cm sur 15, 15 cm de fermeture à glissière. Dans le thermocollant, il faut couper deux morceaux de 30 cm sur 26 et deux bandes de 30 cm sur 10. 30 cm de fermeture à glissière. Deux morceaux de 3 cm sur 5. Un morceau de 32 cm sur 44. Deux morceaux de 32 cm sur 38. On reprend les bandes d'1,20 m, on les plie en deux, endroit contre endroit, et on pique sur toute la longueur. Une fois assemblé, on va retourner les bandes avec une épingle à nourrice. On place la couture sur un côté et on donne un coup de fer. On assemble la fermeture de 15 cm avec les carrés de 15 cm de côté. On place la fermeture endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur et on recouvre avec le second carré. On pique sur toute la longueur. On fait ensuite une surpiqûre. On reprend la bande de 5 cm sur 15 et on va l'assembler endroit du tissu contre envers de la fermeture. On va faire un repli d'un centimètre ici. Et on rabat par-dessus. On fait ensuite une surpiqûre. On assemble les morceaux de 22 cm avec les bandes de 8 cm endroit contre endroit. On ouvre la couture. On pose les morceaux de thermocollant sur les parties qu'on vient d'assembler et on va surpiquer de chaque côté de la couture. Sur une des parties extérieures, on vient placer le morceau qu'on a préparé qui va être la poche devant. On place bien au milieu. On épingle et on va piquer ici en haut pour fermer la poche. On reprend les bandes qu'on a assemblées et on va les placer de chaque côté de la poche pour fermer les côtés. Couture vers l'intérieur. On épingle et on va piquer jusque la couture ici d'assemblage. On pique en travers et on redescend de l'autre côté. Et on place sur l'autre côté à la même distance qu'ici, donc 6 cm et demi.
on pose le thermocollant sur les deux bandes de 32 cm sur 12. Et on va les assembler en bas des parties qu'on a préparées. On fait maintenant une surpiqûre. On reprend le morceau de 44 cm, on le plie en deux et on va assembler dans le sens des 32 cm. On ouvre la couture et on passe sur l'endroit. La couture est ici. On va plier en deux et marquer le pli. On reprend une des parties doublure et on va placer la poche par-dessus à 7 cm du haut. On épingle et on va piquer en bas et sur la pliure pour diviser la poche en deux. On reprend les deux morceaux de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli de chaque côté d'1 cm. On replie ensuite en deux. On borde les extrémités de la fermeture et il faut piquer. On reprend la partie extérieure où il y a la petite poche zippée, la partie doublure où on n'a pas mis la poche et la fermeture à glissière. On place l'endroit de la fermeture à glissière en haut, bien au centre. On recouvre avec la partie doublure et on pique sur toute la longueur. Et on fait une surpiqûre le long de la fermeture à glissière. Puis on va assembler l'autre côté. Donc endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur et on recouvre avec la doublure. On surpique l'autre côté de la fermeture à glissière. On ouvre la fermeture sur au moins la moitié. On repousse bien les poignées vers l'intérieur. Et on va placer les tissus endroit contre endroit. On épingle bien tout le tour et on assemble en laissant une ouverture de 10 cm dans la doublure. Et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois assemblé, on va ressortir les angles et former les bases. On glisse une épingle dans la couture qui doit ressortir de l'autre côté dans la couture. On va tracer une ligne de 10 cm, 5 cm de chaque côté de la couture. On pique sur la ligne et ensuite on va couper à 1 cm de la couture. Et on retourne notre sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. On ressort la doublure et on va refermer l'ouverture en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière couture faite, votre sac
est terminée. À vos machines!